Là, on tente une nouvelle aventure. C'est l'aventure de l'atelier de sculpture des fruits et légumes. Nous avons la chance d'avoir à Narbonne, à proximité, un talentueux sculpteur en fruits et légumes. Alors, c'est une spécialité qui n'est pas tellement connue, qui fait des petits miracles en composant avec des fruits et légumes des sujets, des personnages, des choses très très ludiques. Et nous proposons un atelier tous les mercredis avec la volonté de le faire, de s'inscrire dans le temps avec cette activité. Donc tous les mercredis pour les enfants, nous proposons un atelier gratuit où ce sculpteur va venir et va enseigner aux enfants l'art de sculpter des radis, des concombres, des courgettes, des aubergines pour en faire des petits esquimaux, des petits pingouins, des souris, des automobiles. C'est tout à fait étonnant de voir ces petits sujets qui peuvent sortir comme ça de la créativité des enfants. Derrière. Dans le pays du papa, il n'y a plus de verdine. Petite souris, un kiwi. Oui, moi je veux de la carotte. Moi je veux de la carotte. Moi aussi de la banane. Moi aussi de la carotte. Moi de la carotte. Moi aussi de la carotte. Et moi de la banane. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça va? Oui. Tu vas faire quoi? Moi, banane. Elle pique. Oh, moi aussi je voulais la banane. Et il y en aura deux aussi. Il y en aura deux, des bananes. Moi je voudrais de la carotte. Et moi aussi de la carotte. Moi de la banane. Moi de la carotte. La tête. Le projet, c'est de remettre en relation aussi des enfants avec des produits naturels, aussi simples, aussi basiques que la carotte, le radis, le concombre, la courgette, la banane, tout un tas de produits frais, et de permettre à ces enfants de découvrir à travers le jeu que ce sont des produits qui ont aussi des saveurs spécifiques, puisque à chacun de ces ateliers, on propose une grande variété de produits à déguster, c'est la découverte des saveurs, c'est un atelier de sculpture, mais également de découverte des saveurs. Et il est proposé aux enfants de découvrir comme ça les saveurs de tous ces produits qu'ils travaillent. Donc c'est finalement une mise en relation de l'enfant avec un produit, avec ses saveurs, et considérant que ces produits sont aussi des produits issus d'une proximité. Donc il y a cette logique aussi d'ancrage par rapport à un territoire, par rapport à une région déterminée qui nous est chère. L'enfant va pouvoir, à travers cet atelier, se rendre compte qu'il est sur aussi un territoire riche de produits, et qui, à travers ses jeux et à travers ses saveurs, eh bien, se familiariser à ses produits, à ses compétences. Des deux, toi, tu veux du cocktail. Allez. Là. Tu veux pas essayer avec un peu de concombre dedans? Tu fais les trois? Après, hein. Voilà. Et toi? Carotte, Léa? Un peu de carotte, Léa? Allez, regarde. Allez, je pointe. Voilà. Voilà. Éric Berthaud était pâtissier au Grand Buffet. Vous savez qu'au Grand Buffet, on réalise nos gâteaux. Nous avons un atelier de pâtisserie avec plusieurs pâtissiers. Et M. Berthaud était un de ces acteurs. Et à l'occasion d'une commande spéciale, je me suis rendu compte qu'il avait un talent très particulier de sculpteur. Il a reproduit une œuvre d'un artiste sous forme de sucre, de gâteau et de chocolat. C'est quelque chose qui était très très complexe. Et partant de ce constat, on s'est plus à imaginer ensemble le prolongement de ce talent, et je lui ai proposé d'accomplir des formations complémentaires dans ce domaine-là. Donc il a fait des formations, des stages très spécialisés dans la région parisienne qui l'ont amené à un niveau de sculpture qui est un véritable niveau artistique, puisqu'on parle d'une tradition qui est ancienne, qui vient des pays d'Asie. Et il a acquis comme ça un très 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 bon niveau de sculpture, de maîtrise de cet art.
les grands buffets ont atteint aujourd'hui un niveau de fréquentation très important et s'adresse à une clientèle de Narbonnais, mais également hors Narbonne. On le sait tous, nous sommes fréquentés par des touristes, par des gens de la région. Mais je tenais à ce que nous ayons un produit très très particulier qui soit réservé qu'aux Narbonnais ou à la région, à la proximité immédiate. Pour le mercredi, qui s'inscrit dans les activités que propose l'espace Liberté, il y a la piscine, le patinoire, le bowling. Eh bien, les grands buffets, on a souhaité qu'il y ait aussi une autre activité ludique qui s'adresse aux gens de proximité, aux Narbonnais, pendant les périodes scolaires, pour que les grands buffets soient aussi une structure et un lieu qui soit tout à fait revendiqué et dont s'approprient les enfants et les familles Narbonnaises.